Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, comme annoncé, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Secrétaire d'État, son plaisir pour nous commencer ce matin ensemble avec vous. Merci parce que vous acceptez d'être là pour répondre à pile question que nous avons aimé une réponse sur vous. Et bienvenue à Métropole. Merci Wendell. Salut toutes auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Radio Télé Métropole. C'est toujours un plaisir pour moi de là avec vous pour nous parler de sécurité, pour nous parler de pays. Pour nous parler de sécurité, pour nous parler de pays, la dernière fois, nous sommes de recevoir là et nous avons fait un pile hit. Conseil de mesures qui était annoncé, dans la question sirène, vite teintée. Bon, par contre, pour vite teintée, il y a qui sont ça, mais pour sirène, non, secrétaire d'État, par contre, nous ne savons pas le faire, mais mesures permettent que ma firme et qu'elle va morder, non? Wendell, je ne peux pas dire ça. Parce que avant de prendre mes mesures, pour me sortir de Champ de Mars, pour me dériver à Pétionville, je devais prendre au moins 5 à 6 sirènes. Je me fais plusieurs fois, bon, une grande sirène. Mais là, je me dis que c'est extrêmement important. Une machine qui est officielle, qui est une plaque officielle, il y a un droit à sirène. Oui, bon, ça c'était clair. On te dit déjà, on te dit déjà. Mais avant mon appelé, il faut regarder pour la machine. Non. Si vous me parlez de constat personnel, moi, secrétaire d'État, moi, ouais, machine SE, sirène impirée. Excusez-moi, juste une seconde. Pas plus tard qu'il y a deux jours, ma descend en 83, gagné un Toyota Zorokin qui a peur. Qui a fait sirène sérieux. Bon, comme je connais ça, loi, je dis, je me fais un petit coup d'œil, je regarde dans le rétroviseur pour moi, qui machine, son machine privée que je me dis avec sirène. Son on Zorokin qui bat dans le backup, qui bat dans rien, qui était pour contre lui, qui était après là. Et ça, son cas. Pour nous parler de ça, phénomène, je ne pas dire qu'il est aggravé. Non, c'est sûr qu'il n'est pas aggravé. Mais il est secrétaire d'État. Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures? Non, c'est-à-dire, c'est renforcer même mesure. Pour la police plus vigilante que j'en ai là. Mais ma pour prendre encore des machines qui ont droit à sirène. Qu'on a à savoir, qu'on a assez autorité avec conscience pâle pour qu'on à tel heure ce qu'a fait sirène. En revanche, privé à son machine privée, a fait sirène pour moi, c'est un fou. Parce que c'est totalement illégal. La préchance, je ne joue pas la loi privée. Qu'on a pour service de l'État, il est clair que plusieurs ministres qui écrit. Qui m'a dépensé une série de véhicules, nous nous baillons. Donc, il suffit que nous renforcions. Nous connaissons un rapport là. Il y a des points bien indiqués côté ça arrivé ni matin à midi. Nous avons tout rapport déjà. Nous apprenons ça, nous nous faisons l'autre opération. Donc, ça veut dire que nous avons des informations sur des véhicules qui ont fait abus de sirène. Il y a des points côté ça arrivé de manière régulière. Nous avons tout point honnête. Bon, ma baille pour là. Ou bien Martissan. Ou bien quoi d'émission. Ou bien tronçon Pégiville là, tronçon Boudon, tronçon Canapé Vert là, à des heures, dans le journée, ça arrive. Nous connaissons. Nous connaissons. Mais où on a mis en vigilance, juste avant rien, constat que nous avons l'heure, ou pas là, il est passé. Mais je suis sûr que sur Pégiville, sur Pétionville, sous canapé vert, il réduit en pile. Parce que même fait, des fois, je banalise la machine, je monte, trois fois, je ne suis pas rien. On a grand monde une seule fois. Autrefois, Wendell, autrefois, de Chamas à Pétionville, c'était impossible. Quasiment impossible. Donc, on a grand cas par rapport à 12 camions par jour, quand on a amélioré. Donc, nous avons un point. N'importe qui est venu pour bloquer le net. Alors pour nous ralentir plus. On parle de motocyclettes qu'on est là. Bon, nous arrivons assez loin. Le gouvernement autorise nous
pour nous subventionner Gilet, parce que le problème c'est des prix Gilet. Mm-hmm. Et m'a tout baillé ce couple là, je pensais que nous allons réduire à 500 gouttes par Gilet. 500 gouttes. Pour pas rien plein du tout. Et je vais réunir avec Mario semaine pour fixer cette date là. Si vous regardez bien, Delma a commencé déjà. Delma a commencé, mais il n'est pas allé exactement dans la ligne que vous devez aller. Ça qui est arrivé, c'est que y a tellement de pression, il y a des motards qui enregistrent Port-au-Prince et qui font Gilet Delma. Mm-hmm. Ça a fait nous épurer les là. Ok? Pour nous, mais par exemple, Pétionville, je regarde jeudi, je vais à Pétionville. Ce jeudi. Pétionville. Ok? Mais cependant, pour me couvrir R, la prime, pour me réunir à tout le monde, syndicat, la police, la mairie, pour me fixer date côté nous, pour ne pas chance du tout encore. Mm-hmm. C'est là nous arriver. Mais le gouvernement a autorisé déjà pour nous subventionner Gilet. Okay. On a avancé. On a une façon de motocycliste stationner. Par contre, si ça attire l'attention, est-ce que c'est normal qu'on motocyclette pour en place une machine en termes de stationnement? Bon, jusqu'à présent, parce que les immatriculés, l'assuré, ils sont véhicules. Oui, mais elle n'est pas obligée de remplacer une machine quand même. Les gens doivent faire longtemps qu'ils ont un espace pour machine. À moins qu'ils ne sont pas sécurisés, côté comme je dis, mon cher, motorisé au campé là, pour, parce que je n'ai pas l'espace. Mon beau capable vraiment de capdo servir comme ça là pour le moment parce que moi plusieurs côtés mon al parking même aux États-Unis mal mal mon gain d'espace mon besoin d'espace mon moto là-dedans pour retourner à part de l'autre côté donc nous beau ça nous beau arriver là-dedans parce que son véhicule lié ce que de l'état ça qui explique que gagner des VIP ou bien des chauffeurs VIP qui passent sirène non qui pas gon l'heure pour passer sirène. C'est-à-dire que quitte gain embouteillage, quitte pas gain embouteillage, quitte 1h du matin, quitte minuit, sirène. Est-ce que c'est normal? Non, ça pas normal. Ça pas normal. Et tant que déjà chef police là avec des deux comme dans le appareil là pour depuis une machine à faire sirène en heure qui pas trop correct. Parce que logique à ça là. C'était entre 9h et 11h. On peut comprendre. On a une urgence, soit par la palle, par la voiture, par le Sénat, il y a une urgence, il faut arriver vite parce qu'on est tourné vers ou non, l'occuper et on a bloqué. Mais à des heures comme ça, donc, qui pas trop correct, par exemple, 6h du soir, la police autorisée à arrêter n'importe qui machine qui a fait sirène, qui a fait des ordres, jusqu'à ce que vous identifiez le chauffeur. N'importe qui machine, depuis pourquoi il a fait sirène. La police va camper le modèle qui est souris. Ou son sénateur, ok. Ou son ministre, ok. Ou son... Voilà. N'importe quelle machine qui a fonctionné de manière irrégulière, on ne le pas normal. Mm-hmm. Et sa première ministre en dit, sa président dit. Et sa autre a dit, mais avec ma exécuté. Pas rien d'autre. Ok. Donc, machine, en principe, pas supposée passer sirène, empêcher mon dormir. Non. De 6h du matin jusqu'à 6h. De 6h du soir jusqu'à 6h du matin. Non. Aucun sens. Aucun sens. Mais, secrétaire d'État, c'est pas chaque jour qu'il a fait là. C'est pas chaque jour, c'est pas chaque soir qu'il a fait. J'aime d'où là, Wendel, diminuer. Go le moi-même pas qu'à supporter. Moi-même pas qu'à supporter. Nous faisons des interventions qu'on ne connaît pas. Nous avons été plusieurs mois qui va faire bruit. Nous gérons ça. Non, mais faut faire bruit. Nous. Parce que si nous ne faisons pas bruit, nous ne connaissons pas que nous avons l'État qui est là, nous autorité qui est là, qui a. Qui a veillé. Parce que nous avons plein en pile par le fait que, j'en ai dit déjà dans des émissions que nous avons fait, que l'autorité a monté sur le monde. Machine SE, machine privée qui a une plaque, a monté sur le simple citoyen qui a même vaqué à l'activité. Machine privée qui a une plaque là, qui a fait sirène, moi-même, sont hors la loi. C'est au bandit. Pour moi-même, je crée sur ça. Quand on a SE, la ligne est fine. C'est-à-dire, en autorité, en demi-liste, à Guédouala, là, ok, à côté de Païen Douala. Le problème, c'est que nous avons une situation côté toute machine SE qui est chez la Jéhova. Qu'on a pour réduire les ministres qui plus, de savoir qu'on l'autre, qui est en prendre décision, qui est pour prendre décision. Jusqu'à ce que nous-mêmes nous tranchions au niveau de sécurité de la police. Ou à trouver que la prend un temps pour nous réduire la liste que le ministre a autorisée,
mais ils connaissent déjà que c'est illégal. Par rapport à la décision que le président prend avec le premier ministre. Donc la police autorisée était bon, là c'est quand n'importe qui machine qui a fait une douane illégale en leur doigt. C'est son chef, ok? Merci, soyez prudents, allez. C'est pas rien, okay. Code. Alors, en aide publique, là, puis bien, avant de prendre l'autre sujet, parce que ça, c'est un bail de tous les jours que les gens me sont jolis là, mais si un monde, par exemple, pour constater, on est là où, entre 6h du soir et 6h du matin, sirène empêche de dormir, empêche de vivre, qui ça, le monde, ça fait? Soit pour observer ça, ça pour faire. Relais? L'un de la propre plaque là, et puis relais, non. Après, on fait ça. OK? Relais, non. Nous sommes pas rapide, nous avons sorti, nous avons quatre sous nan, nous origine, nous avons dit que ça n'est pas logique, mais pas oublier tout, il y a trois pouvoirs. Il y a deux cas que nous c'est pas moi qui l'exécutif là. Et là, il y a une délicatesse. C'est seulement quatre gérer ça. Parce que le policier n'a pas capable de gérer le tour. Bonjour, Juan. Non, beaucoup. Mais, ça, par exemple, il y a des parlementaire qui est machine qui est autorisé si on a du phare mais leur pas là-dedans chauffeur à fond des autres là ça la police pas faire c'est moi-même qui quand m'intervenu par la parlementaire là ça arrive dans deux cas déjà me dit bon ça pas logique mais problème ça c'est pas faire encore effectivement quoi ça une après le retirer sur la du phare là mais le pas en pile pas agent hier pour ça tout on est qui prend temps pour la ligne c'est là culture, nous, baronnet. OK. Maintenant, on allait avec. On parle d'autre sujet, secrétaire d'État. On a le tchot. Qu'est-ce qui s'est passé, tchot? Ce qui passe, tchot, là, c'est pour moi son opération qui détourne. Parce que Brissif créé pour lutter contre l'insécurité foncière. C'est une crise qui a gagné la société. Le président a décidé de créer Brissif là. Le 15 juillet 2017, c'est le ministre qui est chef de la autorité, c'est le exécutif avec le commissaire de gouvernement, avec le DCPJ. L'État marche bien. Nous faisons pile de fois parce que nous avons tellement en pile. Nous recevons au moins 15 plaintes par jour. Jusqu'à ce que nous avons un cabinet qui est l'UNO CASO qui décide d'entrer en corruption dans le système. De 100 fois. Parce que si n'était-ce pas, mais je ne sais pas, j'aime qu'on dit, mais j'ai un pick-up, tchot. Bon, là, c'est plus important. Jour 27, ça. Parce que l'homme, c'est ce qui fait créer, bah oui. L'ICG, l'homme, c'est de la justice. L'homme, c'est l'exécutif. C'est nous devons décider. Pas vrai? L'homme, c'est un avocat qui a traité le dossier. Et puis, mon cabinet qui fait lien. Un système là, qui c'est l'une occasion qui me relaye, me dit, voyez là, est-ce que c'est correct, mais qui n'a pas agi. J'ai la carte, fait plusieurs, et dans le public. OK? Voilà, pour chaque dépassement, il faut qu'on prenne une décision. PDM, carburant, tout machin. Tout le jour, ça, le 27 avril, là, me relaye l'une occasion, ça. Il faut deux pick-up alignés devant le bureau. À 9h30 du matin, pour faire une intervention, la pépinière avec le commissaire du gouvernement. Il me texte par WhatsApp. Je vais vous montrer une bizarre nous là. Ce même jour, moi, deux pick-up avec les policiers pour sortir avec le commissaire du gouvernement pour un individu décider de le voir. Donc ça veut dire que c'est pas. Ou pas de bail hors de route. Du tout. Et normalement et légalement, c'est vous qui obligez bail hors de route. Hors de mission. Hors de mission. Hors de mission. OK. Dans ce cas précis, il n'en était pas question ou pas de bail. Absolument pas. Ndou, texte-li, dit monsieur, qui boque la pépinière là? Pépinière, vieux Michel, dans zone ça. Pourquoi est-ce? OK, donc ça de où tu bailles l'autre pour une opération à la fête zone Vivi Michel. Yeah, pour un manquement gros problème. Oh. Le même jour le 27, monsieur me dit même. Il s'agit de moi et du commissaire du gouvernement en fonction. Et deux exécutifs qui m'ont donné deux pick-up. Je décide de voyer au job.
OK. Bon. Si il n'y a pas un MJ qui est relé à 4h30 ou 5h10, c'est la nouvelle que j'ai pris un pick-up job. Et le MJ relé, je me dis non, pas question. Je dis pourquoi? Qui est bon les gars? Je dis oui, on va faire. C'est quoi ça? Je me relé MJ. Et voilà la situation. Moi-même, ministre de justice, là, député, je fais la nuit entière avec le DCPA, chef de police, député, Kazek. La nuit entière, jusqu'à 7h20 du matin, à monitorer la situation pour que je me laisse. Sans nommer. Parce qu'on est décidé pour faire corrompre le système. L'une au gaz. Ok. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis contre la justice. Vous suivez pas ce que vous avez dit? Sûr. Ok. Et maintenant, ZAM n'a pas eu. Il y a 19 ZAM qui étaient rétés. Il y a 17 qui récupéré. Il dit deux derniers là, comme ça, il y a un confirmé. Ouais, 17 sur 19. Ok. Et donc, il y a 17 ZAM sur 19 que nous récupérons. Mm-hmm. Galileo, tout ça. Toutes, calibre profond. Est-ce que je suis capable de dire, avec la machine ça, qui est incendiée, que je l'ai paralysée, net? Non. On va redémarrer le dossier mercredi. Nous allons jouer une autre machine pour ça? Demain, je vais faire. Parce que je vais avoir besoin de faire clair, besoin de dire aux populations, pour qu'on comprenne clair ce qui va passer là. C'est que l'on a fait opération brissif, que le pèlerin, que le vieux Michel, ouais, on fait opération. Tout va être fait, toute équipe est montée, la presse débarquée, moi-même, magistrat, juge de paix, conseil de gouvernement. On va se faire shot par un monde qui connaît. Et deuxièmement, le bureau n'a pas jamais perdu 10e. C'est l'une des cas où il a perdu 10e. Donc on parle. Pour y appeler. 200 fois. Mbaba Yacob, allez Mbaba Yacob. Même temps, tout à l'heure, tu dis que c'est nous-mêmes pour décider qui si a perdu hier. C'est même pour décider. Mon Dieu, on va j'en baille. Non, c'est monsieur qui baille pour tout là. Ah, ok. Mon bal la pèlerin neuf, m'baille bouffe, carburant, frais. Pèlerin neuf, oui. Mon ADM, quand on a négo tout, m'ba connaît, kazo, ba négo kob, akop poche li. M'comprends. Est-ce que vous avez été en actionnaire? Non, mais pour Nambouissi, il va falloir actionner sous quel état? Non, il faut actionner dans le bon sens là. Ok. Parce que c'est une responsabilité même. Le travail, je bande. Une bonne responsabilité, je bande. Parce que c'est un job qui est difficile lié. Chaque côté a un obstacle. Chaque cas a un obstacle. Non, là, ça c'est. Moi-même, son. Mais t'as semblé que. Président pas de corruption, mon cher. T'as semblé que c'est une rare structure dans l'État qui fonctionnait bien avec la justice? Oui, parce que, papa, son. Il n'est pas difficile. Parce que tellement de problèmes dans le Gabdo qui doivent garder le poisson de couche qui font des. Et puis, non, pas... alors, là, ma parole, puisque nous avons une insécurité foncière, c'est pour ça, c'est ça. C'est vocation Brissiflan, c'est ça, c'est brigade de lutte contre l'insécurité foncière. Et si m'tant des doléances en pile victime, en pile monde qui est concerné, et magistrats, juges et autres, il y a doit être bien fond trempé dans la question insécurité foncière. Chasse pour nous, le fait que le président bat le temps. Structure là, en cadre de nous. Par exemple, nous avons un commissaire de gouvernement, nous avons un doyen, tout le monde de pouvoir presse, nous avons plusieurs juges qui aident nous. Nous avons des juges même, qui ont une bonne information, nous avons là pour aller, mais nous avons pas bon. Hein. Parce que nous avons pas trop. Oui, mais est-ce qu'on va risquer de manipuler tout par le même juge ça ou tout? Parce que si nous avons un juge, ancien ministre de la justice, avocat, notaire, apprenteur, si c'est au cap d'eau, mais qui côté pour aller, ou pas pour que, ou qu'elle font opération, tout, et puis, ou manipuler. Ça qui arrive. Ça qui arrive parce que, gagne des cas côté, ou gagne deux mouns qui peuvent plainte, c'est deux victimes. Quand ça te gagne deux mouns qui peuvent plainte, c'est deux mandis, deux racketeurs. Donc, il s'agit de passer au pain fin, pour qu'on peut aller, mais ça veut faire comprendre, c'est que, gagne des juges sérieux qui disent, ah, mon cher, secrétaire d'État, ça a pour faire, c'est là. Parce que vous jugez un d'elle, et mettez le même, faites vos bagailles. On fait l'autre côté. Bon exemple simple.
Moi, je suis un rideau. Alors, des rideaux pour avancer. Il a aidé. Les cas compliqués, mais là, le doyen, Je dis, bon, quand ça m'a pour aller. Mais ça le semblait. Mais nous, vous arrivez là. Nous, vous pouvons faire injustice. Alors, injustice, ça parle de Kotoshita. Quel est le cas où nous plaignons cette justice? Même en bon. Il y a un conflit. Pas un gars bien, vraiment. Tout dit ça. De bons conflits, pas fusil gagné net. Ou à peine un petit quand même. Non, alors, question. Mais, bon. Problème, non, ça qui arrive avec un mari qui n'est pas trop correct. On est humain, un. Deuxièmement, son mari qui est tellement de rabdou récurrent, autant va juste vite des fois comme on était capable de passer un nid. Parce que, côté mon nom dit qu'on fait justice là, car un avocat, l'autre mon nom dit que lui-même, il est correct. On ne peut pas se comprendre, non? Oui. Mais cependant, tout bagage est corrigé. Alors, Brice vient entre l'enclume et le marteau. Mais ça, nous devons retourner son cas avec vous, secrétaire d'État. Ça, il y a environ 2 ou 3 semaines, une opération qui était menée dans la zone Juvena. Voilà. Qui était en faveur de la Confédération des éducateurs d'Haïti. Mais 2 semaines après, il y a un monde qui revendiquait le terrain, il envoyait papier tout. En bonne et due forme pour faire valoir titre on tant des cas de propriété li on dit ça me connais là bini on tant des cas je t'attends de partir yo regarder le bien regarder tes balles poser question regarder le bien me semblait on va qui pas trop correct pas vrai mais des deux côtés gain faille pour faire que venir adresse que tu vas localiser et avec ce document. Pas on se comprend. Généralement c'est comme ça qu'on fait. Dans ce cas, dans un droit réagir avec nous prend plus ça pour réagir, mais réagir bien. Pas on se comprend non. Mais sur le secteur on a pris depuis longtemps et me parle de surtout partie deuxième partie qui a pris on dit bon mon temps pour regarder bala bien avec doyen avec complètement pour qui en cap corriger au moins d'abord mettez dans le cap de stériliser les zones là, pour qu'on leur décision, pour qu'on confronte les documents. Mais vraiment en profondeur. Mais vraiment. Parce que chaque monde paraît. Côté, Wambo, côté document, tu es capable de jouer en faveur plaignant, qui est victime là, c'est le piment culturel. Il n'est pas scientifique, il n'est pas juridique. Plus même culturel. Mais comme ça, il sait me comprendre. Mais on n'a pas supporter le tribunal. Moi, je comprends. Si on a des décaliers, je suis conscient de ce que je n'a pas de solution. Je me dis, mais nous patience, parce qu'on n'a pas vite dans tout le dossier. Parce que l'on fait ou non, ou on a pas mon cognac là, et puis l'autre partie elle-même, l'empêche de vivre avec d'autres manières. Bon, il faut tout le monde satisfaire ça que sorti là, à regarder la loi et de la société. Moi, je comprends. Non, il faut au printemps, on va aller bien, tant pour qu'on trouve un litige. Tout le monde qui a depuis 5 à 6 ans. Tant pour qu'on trouve un litige. Parce qu'il y a un autre côté, il y a un problème aussi à tout. Parce que, parce qu'il y a une décision de sortir en faveur, qui dit qu'il faut qu'il arrête le spoliateur. Il ne va pas arrêter personne. Il dit si on fait ça déjà, ou même dans un document pour agir pour nous rapide, eh bien, en fait, il y a un côté dedans. On se comprend donc tout côté. Encore une fois, faiblesse de la justice. Dossier avancé. Dossier les Benoît, au fini lui-même. Bon, jusqu'à présent, la bien avancé. C'est vrai que il y a des gens qui tournent sur cette zone-là, pas vrai? Qui ont regardé, qui ont essayé. Heureusement, chaque coup qui arrive, les Benoît ont les noms, soit les photos, ou bien. Mais jusqu'à présent, pour les gens qui ont implanté. Donc, dit le Benoît, nous clair sur ça. Si on a construit la zone côté de Dali, avec M. Teyeur, comme ce gouvernement, avec magistrat, pour qu'on dit la construction au campé, on a construit sans qu'on va jeter, et n'importe quoi, on a pas de. Ok. Et village Udelka, ça va dire hein? Oui, et un dossier. Même te gagne. Mais. Le dossier, ça tout. Il y a un juge qui t'a révoqué déjà. Le dossier, ça. Donc, mais je suis beaucoup entré dans la profondeur. L'homme de mon dossier, je regarde moi tout acteur, ça c'est spoliateur, il y a révoqué, il y a déjà. À mon sens, il y a eu un monde avec d'autres acteurs.
mais sur le site, il a traité déjà plus ou moins. Et ça fait que je ne suis pas trop précipité sur lui. Ok. Alors, nous avons retourné. Le juge a évoqué déjà lui-même. Nous avons retourné sur le dossier Brice Flair. Ben oui. Bon auditeur qui dit pour partager ça avec vous, en fait, le vrai, le bon moins. Il dit que il pensait que le secrétaire d'État doit admettre qu'il est dépassé par les événements. D'ailleurs, nous sommes passés d'une dictature présidentielle à une dictature parlementaire. Parce que de nos jours, employé de l'État veut dire. Attendez bien, secrétaire d'État. Employé de l'État veut dire. Personne qui ne respecte pas les lois de la République. Eh bien, c'est un point de vue d'un auditeur ou d'un téléspectateur. C'est vrai. Et c'est plus énervant. Et ça fait le président prendre décision. Et c'est un tour à dire que on paye l'État comme autorité, c'est taxe peuple avec bonne machine. On pourra dire machine pour nuit peuple. Donc, Jean Doulato, c'est culturel, le langage chef, c'est chef lié. Au fur et à mesure, la pas avancé, parce qu'il a corrigé. C'est vrai, ce problème qui posait, c'est vrai. Et ça a même tout fait appel à un sérieux qui a même tout parlementaire, on dit, monsieur, aidez-moi à avancer la question, parce que son société est victime de ça. Mais, il y a un peu d'efforts faits, il faut qu'il continue à faire, parce qu'il a corrigé la question. Bon, l'autre auditeur qui, qui réagit tout à la question Sapinière, là, il ne dit pas rien que fait dans la zone Sapinière, là. Sapinière, c'est. Et le pépinière, il t'a dit ou ça? Oui, parce que l'UNOGAZO a décidé pour prendre corps pâle, ou bien font corruption, le voyage, tchot. Ok. Même sur l'OCA. Ok. On va commencer. Question Brissifla encore. Bon, pas Brissifla, on dit question insécurité foncière. Et qui responsabilité notaire, yo? Qui sont auditeurs? Bon, notaire, apporteur, juge de paix. Ok? Tout le monde impliqué dans la question. Mon ne peut pas faire deux traits du tout, mais pas bon. Mais pour le moment, comme on fait, nous assurons que le monde ne pas faire violence à l'exemple sur le monde. Nous assurons tout que le conflit pour tout le monde était croisé par Abton, parce qu'on ne peut pas passer la justice. Pour le moment. Mais le problème, c'est que cadastre entre là-dedans, déjà entre là-dedans tout. Donc, il faut d'avoir son document en profondeur pour nous faire. On peut prendre une décision définitive. Il y a plusieurs bases sur ce tableau. Pour sur ce tableau, jusqu'à ce que nous fassions un système pour que toute propriété qui est vraiment légalement acquise, les recensions sont système informatique domicile. Mais ça prend temps. Il faut que ce soit en profondeur, mais tellement grave. Là, moment, on est obligé à taper sur lui de manière à dire, sensible, fort pour nous comprendre que l'État existait. Comment nous gérer les questions parlementaires qui sont sur terrain mon nom? Mon cher, beaucoup de gens, ils disent que c'est pour parlementaire, mais beaucoup de gens, les parlementaires qui disent que c'est pour lui. C'est le même travail. C'est le même travail. Ok. Et. Grand auditeur qui dit que c'est bon côté nous avec un pilote, mais bon, je ne vais pas répondre à la question ça déjà. Ensemble de mesures qui étaient annoncées pour question moto et mes auditeurs anticipés à question que Balguer vont poser aux sous disposition par exemple pour cyclone mais avant ça on passe dans Grand Ravine Tibois et autres et comment l'État te fait face à situation qui se déroulait à le commencement mois d'avril, là, côté que tout près du Palais National, c'est une carrière le constat, des bandits de grand chemin, ils ont déclaré l'autre la guerre, et alors que la population civile qui doit être capable de vacter à toute activité, li, parce que l'État qui l'a, et côté que il y a le roi qui doit appliquer, qui doit respecter, mais n'est pas exhibé Zamio à l'aise, sans crainte. Comment nous-mêmes, au niveau de l'État, nous avons géré la nouvelle ça, ça qui a passé? Rapidement, ma bonne situation qui est liée. Au grand ça fait grave, les vins comme ça, Tibois et l'âge de Dieu, c'est parce que l'État a tellement foncé dans l'autre côté et que les bandits ont retranché dans la zone ça parce que c'est difficile d'accès. En plus de ça, nous avons une opération qui a un petit problème qui fait que faut ne plus prudent par rapport à la zone. Ça. Moi, on se comprend. Parce que avant ça, même j'ai connu pire. Nous avons connu pire, c'est le soleil. Vraiment pire.
comme ce soleil un peu retranché dans une zone qui n'est pas praticable par la population, il va faire bruit. Mais c'était pire. Malheureusement, la zone salée entre Port-au-Prince et le sud, il fait tache d'huile. Mais ça nous fait rapidement, ça nous comprend. Moi, à chaque fois, ça nous décide pour nous sécuriser, permettre à nous de vaquer. Tout le monde a apporté plainte, a dit, tirer du chef bandit. Mais mon cafou n'a pas ici. Mon ici, tu vois, le cafou, il a besoin. Elle nous assure nous que. Oui, bon, d'accord, les actions. Sont risquées et tout, ce qui est de l'État. Non. Beaucoup de gens garantissent que nous, même à la ravine, même quand on garantit que nous passer à faire ce que nous faisons dans la zone. Donc, on a opéré. Pas oublier que nous avons arrêté 19 personnes dans la guerre, dont une femme. Qui activité des femmes, ça, dès qu'on fait les mêmes? Et c'est ménage dans la guerre. Nous ne pouvons pas faire abus de ça? Hein? Nous ne pouvons pas faire abus? Non. Et puis, tout, femme dit tout le temps, entre opération normale là, et ça, après les abus, là, la ligne est très très fine. Mm-hmm. Parce que faut abus, il n'y a pas besoin de policier à tout. Il faut poser les têtes. Donc, il faut qu'on ait bien ça, nous besoin. Et si nous avons un résultat, il faut qu'on ait ça, demandé, ça nous voulait joindre. Donc, au fur et à mesure, nous faisons un paquet d'efforts pour nous arriver à la situation. Parce que, mon deuxième problème, le fait que l'État est un peu absent, bandit sérieux, assaillé, recueilli, ok, de mauvais arrière, il vient de suivre un rôle social. Tout. Alors, faut m'admettre, secrétaire d'État, que la question des gangs et dans la région métropolitaine, si moi réunis tout élément que je m'entendais, que je gagnais, dont je disposais tout, c'était une question sensible. Et que les... Moi, je pose une question, parce que je pense que nous sommes là pour ça. Et son sujet sensible que lié dans la mesure où souvent pour gagner opérer pour fonctionner c'est des membres du secteur privé qui baillent l'argent et peut-être pour être capable gain protection en retour de même tout gain des politiciens des membres du gouvernement qui utilisent services monsieur Sayo que ce soit et pour alimenter pour capable alimenter tête en munitions en armes et autres monsieur ça a des gros armes et en général si c'est pas des monde qui a travaillé bon côté pourquoi blas sorti malheureusement dans cette cas là c'est vrai on monde qui ont business ils ont des nèg ont bandi qui contrôle zone là juste pour qu'il y ait moins souci les balcom en cas politicien on a dit bon zone là gon électorat et pour campagne politique qui a fond en entrée à faire campagne même pas qu'a dit que le conseil n'a pas demandé monde pendant l'autorité là m'pas quoi c'est ça lié puisque que monde en campagne je deux trois contacts l'entrée fait ça l'affaire pour deux trois votes et puis là faire élection on puisse quoi comme ça m'pas ouais qu'on appui continue OK à genre de groupe ça maintenant tous les quatre figures Wendell il s'agit de arrêter nayo mais de au état de nuire on va aller en profondeur moi de qui a opéré quand ça faire mon sentir qui est safe. La sécurité, c'est que pas obligé de dépendre de mandat ça. Ça prend du temps. Ça prend 2-3 mois pour arriver là. Oui, bon, il y a une question de l'État qui est absent parce que je condamne des doléances tout de la part des qui sont dans l'environnement immédiat et chef de gang yo, chef bandit yo, côté que on dit pas rien dans zone là et c'est ça qui fait par exemple que yo qu'on bénéficier de protection population eux-mêmes parce que mon savoir apparemment tout a semblé que c'est eux même qui baïti ti machin fait ceci fait cela et balcom donc ce qui fait que cap facilement collaborer avec la population est-ce que question sécurité hein, est-ce que il pas on bail transversal côté qu'on a de tenir compte de plusieurs autres facteurs sociaux notamment sur l'état d'état effectivement les transversales il y a un aspect social, tout. Son pays tiers monde, tout le grand pays de misère. C'est-à-dire, les gens qui ont moyen moyens pour manger, c'est pratiquement censé sur l'autre monde. Et ça fait nous des programmes qu'on a monté là pour essayer d'entrer dans le quartier Chayo, pour appuyer socialement, pour faire nous retirer un bandit, pour faire à mesure nous-mêmes qu'on a contrôlé la zone, pour mettre le bandit hors d'état de nuire. Le film fait ça, on est là pour regarder pour nous qui ont opéré, pour mettre l'autre monde privé. En sécurité, pour que c'est nous, l'État, qui devons faire pour lui. Mais ça prend du temps. Alors, Grand Commune, en termes d'exemple, tellement cité, bon, Dieu merci, vous avez cité tout à l'heure là. Mais pour j'aime parler de Cité Soleil, nous avons couru au monde qui a fait une sorte de
apologie ou bien promotion pour Cité Soleil. Alors, ce n'est pas le cas, ma personne m'a rapporté, ça m'entendait. Cité Soleil, je dis aujourd'hui, hein, si nous comparons à ça qui était passé dans le secteur ça, au cours des années 2004, 2005 et autres, aujourd'hui, là, je dis que c'est une zone qui gagne plus de sécurité là, dans la région métropolitaine. Là. Mm-hmm. Dernière question m'a posé avant de prendre pause là, secrétaire d'État, est-ce que vous pensez que des quartiers comme Grand Ravine, Capabonjour, dit ça tout, que quartier Grand Ravine, il n'y a pas peur de Cité Soleil, je dis, en termes de zone sécuritaire. C'est là nous allons. C'est là nous allons. Matin, je suis chef de police, je suis venu à péter en date, sur les deux mois, si nous avons fait. Parce que je voulais dire une date que je ne peux pas respecter. Même si c'est avant trois mois dans la privée là. Parce que acteur là, bleu est à participer, c'est là, je là tout. D'acteur tout là-dedans. Si on me la connaît, on me l'oppose. Vous pensez que nous avons fait le non? Parce que j'ai l'impression que la population, si tu es sous l'air, elle met la main à la patrie, c'est lui-même. Oui, oui, mais nous avons un défait que je n'ai pas dit, j'ai un défait là, qui est un résultat, que je n'ai pas fait. Alors, ça fait quand même plus difficile. La gravine, c'est parce que j'ai là, il y a des nègres qui ont payé la gravine, qui parlent de la gravine. C'est dans l'autre ghetto, ils font liaison, ils font deal, ZAM et protection, ZAM et cachette, pour qu'ils payent dans la zone. C'est la ligne dure qui retrache sur son, ça n'a pas de problème. Il y a plus de temps. Mais formule là, tout est dans le système. Non. J'ai dit dans la police, l'end up fait là, même des intérieur, l'end up fait là, c'est le commissaire qui est dans le système. L'end up fait, c'est ce là. Nous, encore là, nous avons encore au plus haut niveau. La travail sur lui, la bas une zone clean. Sauf que je me dis c'est 2-3 mois. La travail sur lui. Merci, secrétaire d'État. Nous parlons un petit peu, et puis nous retournons après. Pour nous capables de tirer encore sous Grand Ravine, surtout avec la disparition du journaliste là, et Vladimir Le Gagneur. Et bon, je vais prendre une nouvelle que l'enquête a progressé, il y a des gens qui sont arrêtés. Et même un sujet d'une telle importance, nous avons dû camper sous les tours, nous avons recevoir là pour ne pas parler de ça. Mais on a fait ça l'un tonnerre. Ok. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. D'accord. Avec nous, le secrétaire d'État à la sécurité publique, d'accord. Ronsard Saint-Cyr. Alors, pendant la pause, je vais un rapide bon survolé, font un coup d'œil rapide sur le téléphone pour moi, il y a pile de questions qui viennent de nous. Et parmi les questions, yo, secrétaire d'État, il y a des auditeurs et des auditrices qui dénonçaient les lumières aveuglantes et on sait des véhicules qui continuent à utiliser. Bon, à la vérité, pas remarqué autant. À ce niveau-là, je suis capable d'accord avec vous. Pas remarqué autant, mais toujours bien. De temps en temps, je croise quelques des auditeurs qui dénoncent lui. Et auditrice, ça a parlé de vitres toutes noires et qui gagnent toujours dans la rue. Hein. Et mais plus gros problème, yo, c'est que gagnent en pile voiture qui a circulé sans plaque. D'accord. Pour le problème, il y a des gens qui continuent. Absolument, avec des lumières qui sont aveuglantes. Mais ça, c'est un problème de circulation. Ça, on sait qu'on est illégal déjà, donc n'importe la police qui a arrêté lui, bah, on a aussi arrêté la machine. Ça, c'est un problème de tous les jours. Ça, c'est un problème qui est déjà résolu. De tous les jours. Vous comprenez? On a une machine privée qui est pas là. Le problème, ça a posé. C'est déjà avec au plus niveau de l'État, on a une solution. Nous avons un chita qui vient pour nous arriver à cette solution. Et on a regardé, on a passé à travers plusieurs éléments de solution, quand même une meilleure solution. Mais nous avons beaucoup de solutions. Effectivement, mais pas en pile, mais gain. Gain. Système là pour être capable de joindre un moyen pour lui faire une solution définitive sur lui. Mais nous conseillons ça, nous avons besoin. Bon, dis-toi, Kitim Jo, pour qui ça n'a pas gagné des structures, bon, est-ce que la question ça pas plus dépend de direction générale police là, les dénoncer la police qui pas jamais arrivé sur les lieux d'un drame,
En fait, j'ai toujours arrivé que quelques heures après, et pour qu'il n'y ait pas des patrouilles de, ou encore des points fixes permanents dans une zone qui est réputée violente. Bon. Violent. Ça, j'aime qu'on dit là, nous fonctionnons par des opérations et par des périodes. Si nous, parce que la population tout, aide tête et tout. Aidez-nous, bas information, pour tes planètes, nous avons fait des investigations dans les monde. Pas de moyen pour nous mettre en pick-up, en patrouille 24/24 sur zone qui a des problèmes. Nous faisons pile effort pour nous intervenir à temps, mais nous ne pas arriver à joindre des gabous, ça nous attend en termes de rapidité. Et c'est normal, parce que pas qui sont pays qui ont l'adresse tout. Lorsque je me trouve dans la carrière, je me joue côté de mon nom, je ne suis pas capable. Le problème d'adresse, c'est pomme gasoline, c'est banque, c'est l'adresse à Bayonne. Ça, c'est difficile tout pour nous arriver à temps, mais c'est une volonté. Mais on a amélioré au fur et à mesure. Donc, le problème, c'est à opposer. L'un fait réunion, tout sous le table-là. Mais tellement pile. C'est pas que nous tellement pile, parce que pas bien que son pays qui a évolué hors norme pratiquement. Pour faire mon comprendre que ça fait à pas bon, c'est déjà on perd de temps. Là encore, Wendell, sur les civils, là, les journalistes, il faut parler à mon tour. Par exemple, il faut me dire encore comment avec le gros problème qui est les nuisances sonores. Il faut que chaque journaliste dise chaque jour, il n'est pas possible pour que chacun soit endormi parce qu'on va faire bruit en radio du lundi au lundi. C'est pour faire mon comprendre que les pas légal ça va faire. Mais là, je suis venu là facilement parce que je connais que. Je travaille à un monde qui dit à quoi ça fait à part ça. Parce que à moi seul, à nous seuls, nous ne sommes pas capables. Tout le monde met à la part. Il y a un monde qui dit que pour que ça, l'autorité, eux-mêmes, tout n'est pas prêché par l'exemple. Auditeurs ont appelé longer de sur quelques voitures qui sont en cortège, qui ont circulé sans plaque. Cortège Premier ministre, cortège président. Cortège, ils ont l'autre approche. Par exemple, simple, par exemple, Mendel, par exemple, si l'autorité, pas vrai, il y a une délégation qui a 30 personnes, ok, il y a un côté de deux de machines. Il est capable pour une machine rapide de côté, pour au moins mener mon côté de la mener. La casse, elle tape mieux que la machine qui met un plaque là, la mi-temps. Parce que le côté, n'est pas capable de contrôler. Par exemple, si l'autorité, il doit racheter 20 dollars après mon poste de la mener, ou soit l'on communique tout près. L'objet d'une machine à plus, qui n'est pas l'objet officiel, mais ensemble. L'objet d'un côté, on crédit, on bénéficie du passé, mais pas quoi que l'autorité a aussi. On a conscience pour la faire sans qu'il n'y ait pas besoin. Bon, on se reprend. Donc là, il faut balancer. On n'est pas vraiment strict sur le côté, parce qu'on a besoin de gens gagner pour faire, pour porter plus de monde la machine qui n'est pas forcément officielle. Dans une zone réputée violente, et ça empêche l'État d'utiliser les moyens technologiques disponibles aujourd'hui, hein, que ce soit par exemple survoler les zones avec des drones. Ça empêche que nous fassions ça. Nous faisons ça, oui. Nous faisons ça. Et on dit, comment vous voulez que nous connaissions par rapport à niveau misère, là, qui est de délinquance, là, et par rapport à un nombre d'âmes illégales qui ont circulé dans le pays, ça, c'est la police qui fait un pire effort. Il est invivable, oui. Il est invivable. Pas parce que la police elle-même, la travaille de manière technique, il y a une limite. Alors, ce bandit a une limite. La police n'est pas intervenue. Sinon, on peut avoir des problèmes, droits de l'homme, problèmes de mauvaise opération, punition. Le bandit elle-même, il n'y a pas rien qu'à courir, les gens n'ont pas longueur, automatique, on fait ça. Si on fait ça, si on agit bien et vite, dans le pays, ça, on est étape invivable. Qui côté nous y a avec l'opération Bienvenue en Haïti, qui était visée pour sécuriser les voyageurs qui sont arrivés, qui sont arrivés dans le pays? Hein? Avant hier, nous faisons réunion moi-même, ministre du Tourisme, ministre des Affaires étrangères, et nous avons avec le chef de police pour nous lancer l'opération ETA. Nous allons lancer la réunion là. Nous avons fait le fait que nous avons fait un port là en l'audition. La passion nous avons fait au Cap-Plateau. Les mêmes mesures de sécurité de propriété, ok, périmètre nous renforcer, on va pouvoir déjà aider le commissaire pour prendre une décision côté moto pour passer devant la porte de la Konya. Pas vrai? Nous allons commencer par empêcher que machine qui n'a aucun rapport à l'aéroport, pas passer devant l'aéroport, passer tout droit pour la gérer la bataille.
nous avons stérilisé ces zones au fur et à mesure. Pour nous, entre-temps, nous avons sécurisé les zones secondaires, côté où nous avons sorti et rentré puis à la caille, soit fait par Delma ou bien par un tabac puis à la caille. Nous avons travaillé sur ça. Nous commençons déjà. Nous avons fait une intervention, moi-même, ministre touriste, ministre santé, la police, administration vivant à l'étranger. Il y a un auditeur qui est à l'étranger qui dit que en termes de bon signal, par exemple, qu'il a gagné des sanctions, que tout le monde voit que ces sanctions, il y a des poursuites judiciaires, et que tout le monde voit que il y a des poursuites judiciaires qui a fait, pour que ce n'est pas seulement parole et que il y a action. Moi-même, tout. C'est moi, ni président, premier ministre, ni justice, c'est ça, nous voulons tout. Il faut être clair, public, pour nous voir que nous avons avancé. Mais je ne peux pas faire demain et après demain. Parce que faut le dossier bien qu'il faut bien aviser, faut bien cibler pour faire ça l'affaire. Entre-temps, c'est facile le métier, nous avons gommé comme système. Non. C'est un pays qui est facile, c'est un pays qui est extrêmement difficile. Nous avons payé côté corruption presque entre dans le salon. Pour nous, c'est un comment facile. Il n'est pas facile de faire des façons où nous pensons que picore est le plus corrompu. Donc, regardez dans le cas où nous avons dit que pas être picore, et puis c'est le plus corrompu. Donc, c'est un pays qui est vraiment délicat. Nous avons avancé, nous avons volonté pour nous essayer de payer en chance, par rapport à la sécurité. Mais dis-moi, nous avons patience, nous avons privé sur nous. Nous toujours parlé de sécurité. Je pense que je vais retourner à Grand Ravine et je vais retourner sur la question de Tchotlatou. Secrétaire d'État, un véhicule qui est dans le monde, c'est un âme liée. Vous pouvez faire pile de bagarre avec lui. Même si vous pouvez protéger contre bandits ou tuer les gens, vous pouvez faire victime innocente sur un volant machine. C'est difficilement entendre que vous avez une contravention parce que pour conduite dangereuse, parce que vous avez fait avec cette vitesse. C'est rarement entendre que vous sanctionnez une équipe parce que vous sentez ta fille à son volant, le véhicule. Et pas que vous êtes suffisamment équipé pour faire des tests alcoolémie et pour les gens qui ont boit au volant. Mais il y a un plus gros problème en termes de danger que le véhicule représente. Sur la voie publique, côté, nous avons l'impression que l'État n'a pas existé du tout dans ce sens-là, c'est l'inspection des véhicules. Est-ce qu'on rencontre le service de circulation déjà sur ça? Pour qui ça n'a pas gagné service d'inspection des véhicules, les gens, ça a été fait longtemps. Nous travaillons en pile sur ça. Depuis 2 mois, nous avons acheté équipement qui a testé pour que les gens soient capables retourner à l'inspection véhicule là. De chita avec... Par contre, qui le sac à fait? Nous, mon problème, Fonda identifié, parce que je me chita avec le secrétaire d'État en décembre, qui m'a pile coupé la question. Il s'agit de, d'ailleurs, qu'on a force toute ton structure. Faut DGI, et pour nous, des livrets de factures, pour qu'on puisse payer, parce que c'est DGI pour payer. Ensuite, il faut que nous ayons plusieurs points d'inspection. Parce que ma gaffe fait depuis 10 ans, soit faire le connard par plus nuit que les utiles. Il faut avoir au moins 5 garages qui autorisent CAF travail pour l'État pour faire inspection. Identifié à plusieurs endroits. Donc c'est là que nous sommes. Donc l'équipement rentré a testé déjà. Donc, si grâce à tout, nous avons besoin de résoudre tout. Nous avons besoin d'espace pour le travail et puis un espace pour stocker les machines qui sont illégales après inspection. Il faut un gros espace. Nous gagnons déjà, mais le beau clôturé. On a fait des matchs qu'on a commencé à clôturer pour nous être capable de nos espaces pour faire ce travail. Mais la volonté est là à tous les niveaux. Nos équipements déjà à tester. Nous chita au contraire plusieurs fois avec circulation, la police, avec ce que l'État on a laissé pour nous qui sont capables de mettre des DGI en ligne avec nous et qui sont capables de faire plusieurs points pour nous déraper si nous avons trois machines qui gonflent d'un seul côté. Parce qu'on a l'autre problème. Secrétaire d'État, est-ce que pendant le problème au AVCTA, est-ce que vous avez un automobiliste en contravention? Non. OK. C'est clair. Parce que je n'ai pas responsable que
c'est pas un service à la moment. OK. Gon auditeur qui dit m'dou que l'ICE responsable parc national de Fort Jacques et Alexandre. Il gagne toutes les peines du monde à faire arpenter des terrains appartenant à l'État, alors que ces terres sont en danger. Des individus possèdent des faux documents et vendent des terrains appartenant à l'État. On va le courant. Mais ça, c'est partout. Il y a le Kai, il y a le Waname, il y a le Pignon, il y a le Lascaoba, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Donc, c'est son mafia organisée. Mafia organisée. Le cas, ça, s'il est intéressé à écrire des GJ, il écrit bureau, non, mais sa justice, Marine pour nous, point action, parce que c'est des GJ qui propriétaire tout bien l'État. Pour les qui sont capables de mettre un ordre rapide, on ne sait pas ce qu'on capable faire. Donc, le mot sur le dossier à nous-mêmes, nous avons besoin de monde pas opérer là encore jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Mais sans toi, Mme Mounio, le rapport au petit, c'est qu'on a un monde qui est sûr qu'il y a une question, font un rapport juge de paix, voyez-nous en bas nous, ou en écrit, moi-même, comme ce gouvernement, ministre de justice, pour qu'on fasse ce dossier. On n'a pas avancé et secrétaire d'État, regardez pas la base la plus souvent. Et l'auditeur qui partageait mon bagage avec moi, m'a partagé le problème avec l'autre auditeur. L'autre auditeur, alors moi, quand ils sont auditeurs, mais ils sont auditrices. Il dit, il écrit, et les sirènes, ça veut dire que l'auditeur ou auditrice, ça, pas attendre au début. Il a rejoint parce que tu as une bonne réponse à ça. Il dit qu'elles sont encore là. L'auditeur a écrit le problème des faumes. On va dire que c'est environnement. Environnement, commerce. OK. Mais selon l'auditeur, c'est un problème de sécurité publique. Nous voilà. Pourquoi ne pas dresser une liste des importateurs de ce fléau et les sanctionner malgré les interdits? Est-ce que c'est intouchable? Non. Qui s'en casse de la force publique? Pas intouchable. Le cas, ça, on a fait réunion. Comme on dit, depuis. Parce que nous-mêmes, nous avons plusieurs comités. Nous travaillons avec agro, avec environnement, avec commerce, avec la douane. Nous devons même aller plus loin pour nous dire que les nous clair que tout le monde est identifié, il faut que nous menions une enquête nous-mêmes côté stocké. Nous allons arrêter côté stocké. Parce que si nous entrons dans le pays, nous allons prendre le côté de déposer. Donc nous parlons faire une enquête avec le CPJ, de proximité, nous allons arrêter. Mais effectivement, il faut une liste définitive. Là. Parce que nous effectivement son fléau qui est difficilement pour combattre contre maintenant. Donc, mes présidents, que ce soit nous qui travaillons, mais c'est au fur et à mesure pour ma solution. Secrétaire d'État, nous avons un problème. En Haïti, nous avons un problème. En pile, dans le secrétaire d'État qui passait avant, il était annoncé des mesures, il était pris des dispositions. Pas de suivi qui fait. Ou même tout. Ou là, comme secrétaire d'État, il y a en pile mesures qu'on prend, il y a en pile dispositions qu'on annonce. Pendant là, vous avez l'impression qu'il y a demandé. Quand on parle là, pas gagné, pas gagné aucune garantie qui dit qu'il y a continué respecter ou bien appliquer. D'accord. Qui ça qu'a fait aujourd'hui pour que nous sentions que l'État existait? Parce que tout ça, nous sommes toujours là. Les résumés à un bagage, les résumés à un point que l'État faible ou bien l'État pas vraiment respecté citoyen. Parce que si nous avons l'État qui a respecté citoyen, qui a protégé citoyen. Sauf en mesure là, même après 50 ans, il faut toujours d'application, faut toujours à appliquer. Pour que ça nous pas gagne l'impression que l'État voulait investir dans l'éducation, mounio, changer mentalité, apprendre pas jeter fatra, annoncer quoi pour sanctionner, et puis pour nous sanctionner, ouvrir sans passe pour qui. Nous avons entré dans le chapitre sanctionner, ça passe pour qui. Mais en termes d'éducation, c'est le tout qui vous fait. La presse, ceux des civils, les leaders religieux, ou pas la monde, au fur et à mesure, monde qui prend conscience que ça l'a fait à pas bon. C'est vrai, nous avons pratiqué l'homme, nous n'avons pas son monde, parce que ça le fait déjà. Moi-même, mon communication permanente avec tout ancien secrétaire d'État. Pour les jeunes ensemble, nous avons pris des décisions, pour qu'ils puissent aller, pour qu'ils aient des solutions définitives. Mais où sont exemples? Où sont exemples? Pour ne pas dire son exception à la règle, secrétaire d'État. Mais combien de monde, par exemple, qui pourra respecter. Bon,
Écoutez, durer un mandat, un secrétaire d'État à la sécurité publique, nous connaissons, c'est en général pendant mandat. Mais après ça, ceci pour vous dire que tout ça n'a pas annoncé là, on dit là, on a même on parle encore et que vous êtes capable de continuer avec vous. Oui, eh bien, Wendel, c'est nous-mêmes, la presse, qui vous dit halte là. C'est ce qui vous relève, c'est ce qui dit bon, ça t'est là déjà, et puis même pas là encore, ça qui passe. C'est nous qui vous. C'est nous qui jugez le peuple là. C'est nous qui informons, qui informons et tout. Du moment où on n'a pas fait déjà, dans deux fêtes là, nous-mêmes, il faut nous tirer sur les dents pour les gens qui remplacent maintenant, car on laisse ce bac là, si bas à la dérive. Mon auditeur qui me dit que la zone de. Bon, par contre, côté ça, non, il dit la zone de Greffin-Bauduit. Envahi par le spoliateur. Vous comprenez ça? Je ne comprends pas. Donc, mais comme je dis, même si il n'y a pas de résultat sur le champ, il faut prendre le soin de documenter la plainte. On procès verbal, copie de mobilité, non spoliateur, adresse exacte, et on téléphone pour le cas de rejoindre. Il y a écrit ministre de justice, il y a écrit moi-même, il y a écrit commissaire du gouvernement. Il faut documenter. Parce qu'il y a plusieurs gens qui portent plainte, mais la plainte n'est pas. Il n'est pas documenté. Il n'est pas documenté. Il faut qu'il y ait un document. Parce que dans ce cas-là, si vous faites comme ça, vous avez des situations où vous agissez pour un monde, contre l'autre monde, et c'est vous agissez contre l'autre monde. Il n'y a qu'une raison. Donc c'est pour nous apprendre à rester à l'État par écrit. Okay? Même si vous prenez un bon résultat, prenez patience et bien, des contacts de carrière et tout, pour que maintenant qui soit porté. Et même, ça fait encore plus la peine pour nous dans la diaspora. Pour gens qui ont aux abois, pour gens qui ont pris la propriété de manière illégale. Il y a un auditeur qui dit que depuis environ 2 heures, la route nationale numéro 1 est bloquée et pas aucune intervention des forces de l'ordre. On pas au courant. Je dis là. Il y a 2 heures. Non, pas au courant. Pas au courant. Et donc, au canon son SOS? Non, même sûr que déjà attendez là, si vous attendez, les deux attendez. Donc vous mettez sûr que pendant la parole là, après la fête là, vous allez résoudre. Le dossier de Vladimir Le Gagnoeur, qui côté nous est? Bon, nous bien avancé. Nous pas oublier que nous avons une chapeau, monsieur. Nous avons un téléphone, monsieur. Nous avons une brosse dans que madame Nibay, pour nous faire le test ADN, pour nous assurer que c'est monsieur. Deux chefs bandits qui sont supposés impliqués dans la question, un dossier qui est en. Transféré à la justice et de CBJ mandé puis arrêter plusieurs monde que nous déjà indiqué dans la question ça. Gagne des auditeurs et auditrices qui dénonçaient ensemble de stations de camionnettes ou de motocyclettes qui a provoqué embouteillage et qui facilitait volets opérés facilement. Parce que machine obligée ralentit dans la zone Sayo à cause de mauvais stationnement ou encore station tap-tap qui envahit la rue. À titre d'exemple, auditeur cité de zone Delma 33, Carrefour Claircine, zone cimetière Pétionville. Pour moto, la vini. Parce que je ne peux pas dire que la loi autorise maire là pour identifier station moto. Yo, pour le contrôle des transports, pour le même bail, combien de monde qui a fait taxi moto la commune. Donc, quand nous lancer à faire identification avec les yo, ça a tout résoudre. Maintenant, pour camionnette, du camel en circulation, bureau, la police prend pile effort pour les syndicats. Non seulement faire une sécurité dans le point qui identifie pour le travail là, ensuite, il faut marquer le parcours là sur camionnette, yo, ensuite, il y a des camionnettes. Qui n'est pas supposé faire 11 heures de distance qu'il a fait pour le moment. Nous commençons à faire ce travail-là. Vous voyez qu'il y a plusieurs fois à travailler dans plusieurs stations pour ça. Mais vous connaissez, tout est pour faire jusqu'à trouver une solution définitive. C'est pas que nous n'avons mais il y a un paquet de bagages qui ont fait régler la question. Nous connaissons tous les gens qui disent qu'ils font un trafic et qu'ils vivent la moitié de travail de descendre. Qui est légal tout. Secrétaire d'État, m'espérez au témoin des secrétaires. C'est un secrétaire d'État pour prendre tout ce cadre de démission. Là, parce que tellement de questions que nous avons posées, il y a des bagages qui sont importants. Par exemple, un auditeur, ce sont médecins qui dit pour nous que sous du cap fait sous trottoir, yo, non seulement il y a des passagers,
Mais soudure ça, ou un travail ça, ou il a traumatisé yeux monde qui a passé, avec risque pour monde ça, ou vin aveugle. Li cite quelques exemples, par exemple, oui, on s'est marti, soudure sur le trottoir, tout près là. Auditeur. Oui, il y a plusieurs plaques. Je suis allé à la rivière, je suis allé à un tourjo. Nous venons plein de tours. Maintenant, il s'agit. Parce que c'est en trois étapes nous agissons. Mais il y a un problème. Tout le temps, nous avons une vraie décentralisation. Nous avons un problème. Trois mondes vivent dans la région métropolitaine. Ce que l'on peut faire, c'est agir rapidement sur des problèmes qui sont vraiment nuisibles, qui sont visibles. On regarde dans cet exemple. La brise au fur et à mesure, parce que pas oublier que chaque époque, il y a une sorte de priorité. Donc, c'est pas que nous l'avons, parce qu'en principe, Wendell, tout droit, c'est pour libre mon marché. Au moment où nous sommes sur tout droit, moto a passé beaucoup de temps, marché sur tout droit, mon absoudé, mon cap construit, mais des pissables sur tout droit. Mais là, il faut travailler avec les maires. Oui. Et là, il faut une faiblesse tout. Moi-même. Est-ce que ce n'est pas moyen que vous n'avez pas gagné? Moyen, un, autorité tout. Autorité tout, moi, c'est maire, ils ont manqué autorité avec moyen. Puis, parce que c'est maire qui prend des décisions, lui-même, ils peuvent venir à ma cop. Pour renverser la maire. Mais c'est un problème. Pas oublier que, tu as un maire qui a commencé à faire le Petionville. Je vais venir sur ce point ça avec vous. Bon, bien que son réaction personnelle que lié son bagage que moi-même j'ai ressenti personnellement et qui dérangeait. Effectivement, j'en suis dit là, tu as des décisions qui permettent de circuler facilement au niveau de Pétionville. Par exemple, là, sous Delma, lorsqu'il vient dans le carrefour Delma 105 pour virer sur la main droite. Pendant un certain temps, on était capable de circuler sans problème. Ben, il y a une semaine passée, la machine aurait envahi la rue. Il a demandé ça qui passait. Il a dit que c'est pour politique, c'est des pressions politiques qui tombaient sous le dos magistrat Pétionville. Là, après, monsieur pas arrivé faire respecter la décision que tu prends. C'est-à-dire que son monde qui est en faiblesse. Est-ce que dans ce sens, ça, secrétaire d'État à la sécurité publique n'a pas qu'à venir en renfort? Ou bien en backup à des mairies de la région métropolitaine. On peut venir en fond en backup à des mairies. Et je ne peux pas dire que c'est un obstacle politique, je vais dire un obstacle social. Comment? Par exemple, on m'a dit qu'il y a une raison de dire qu'on ne peut pas vendre là, qu'on a 15 machines qui peut-être des familles qui pauvres, qui vivent parce qu'ils ont 15 ans et ils pensent qu'ils ont une raison. Parce qu'ils ont appelé les vieux dans la misère. Il y a pas sur la misère qu'ils ont une raison. Parce que ça va faire, il faut qu'on ne peut pas arrêter ce là, ça va même faire un support de l'État qui pour back-up là, pour avancer, sinon, pas gagner des casques ou des cas victimes lui-même. Aussi simple que ça, là encore, il faut nous sensibiliser pour que j'ai à vivre là, j'ai à vivre maintenant. Pas correct. Il faut échanger en le jeudi à demain. Même question de si ma point de note. Ministère de l'Intérieur ou encore Bureau de protection civile. Qui dans le bilan qu'ils ont fait, ils ont rapporté que des maisons effondrées. Oui. Et il y a des gens qui sont morts. Et pour qui ça, l'État est obligé de quitter les gens morts avant qu'ils aient fait évacuer, quitter les zones en suspens, faire des constructions anarchiques dans Flamornio, ce qu'était l'État. Là encore, c'est la mairie d'abord et puis nous-mêmes ensuite. Parce que pour construire, il faut une autorisation. Nous, on parle de la question de l'État illégal. Quand si la mairie fait plusieurs inspections et fait un rapport, moi, des backups, je n'ai pas campé. Parce que je suis là, tous, des backups, toi. Quand je construit un bon pont, il y a une photo là, un bon pont. C'est-à-dire, n'importe qui l'appui, il y a une cache à voile. Quand je dis que ce n'est pas logique pour moi, c'est un bureau à faire. Mais c'est d'abord la mairie qui, pour identifier, vous voulez savoir nous dire que nous allons faire deux, trois chantiers avec elle. Parce que pour construire, il faut une bonne autorisation. Je suis des gens qui mourent tout. Dans le dernier appui qui s'est passé là, et les gens qui ont demandé pour l'État de venir aider ou faire enterrement tout. Oui, alors, là, l'État a fait travailler en amont, ils n'ont pas voulu. Quand on est arrivé, c'est l'État qui est responsable. Moi, c'était une note.
nous qui on travaille correctement en base solution à ça, mais c'est pour voisin on dit l'autre. Zanmi que on construit pas logique. Parce que on pas besoin de moyens, nous autant de policiers, autant de véhicules pour nous aller combattre nous ça. C'est des exemples pour nous tracer et pour société à prendre le relais. Passer le message là, nous avons une solution. Parce que mon pour les débats construit, il y a raison. Secrétaire d'État, un auditeur qui dit qui ça qu'a fait pour musique qu'a joué dernier volume dans quartier résidentiel yo. Extrêmement grave. Yo bon mon exemple là dans Delma 19 Rue Méli, musique au fond pile très grave. Très grave, surtout air de besoin. Non, c'est pas grave. Matin, on commence. Mm-hmm. Faut même dire mon yo l'offel là, c'est santé mon là qu'on a détruit. Mm-hmm. Il négo fait du lundi au lundi. Nous déjà intervenu sur plusieurs endroits déjà. N'a pas continué. On a pris un jour, fait deux jours, moi-même, le parquet, pour marcher fermé. Nous commençons à faire déjà. Et mais si nous commençons. Et on dit que tu attention, on a dit que grève la levée dans l'OAVC. Bon, bonne nouvelle. Et lorsque on a laissé faire bouillard suspendre, on a demandé intervenu avec accompagné d'autres autorités, alors il peut voir c'est de trois policiers qui sont responsables. Non, l'homme pas de côté à côté, on n'a pas d'autorité encore. Pas encore. Bon, c'est pas de gros risque quelquefois on parle dans quelque nature faire moi connait envoyer de trois reporters avec. Bah ouais, m'a pour l'en débarquer avec le gouvernement, pas encore encore c'est ministre justice à autorité, premier ministre à président. OK. Et on dit toi qui dit pour mando pour insister sur le fait que motocycliste doit avoir un casque pour passager. Ça ça un peu délicat. Effectivement faut de la comme ça. Mais si me doit implémenter à partir de la date de la décision, c'est difficile. Mais le passager à lui-même, il faut comprendre que ça, c'est lui-même qui est protégé. Et parce que son belle dame, son belle coiffure, ou pas voulu détruire, ou changer coiffure pour exposer le cerveau en accident. Parce que son véhicule est un moteur lié. Accident qui arrive n'importe qui. Mais pour chauffer avec celui 24-24 là, n'a pas exigé. Pour qui ça? Parce que c'est l'État qui fait déficit. L'eau blessée dans l'hôpital, c'est l'État qui a demandé pour penser. Pas un soin gratuit, oui. Il y a un soin payé par l'autre monde. Donc ça a rentré dans la logique pour nous rendre tout le monde. Mais au fur et à mesure, on prend un chauffeur avec après, on prend un passager. C'est au fur et à mesure. On a fait un seul coup. Regardez, c'est tout le pays. Oui, c'est que vous avez posé la question. Là. Bon, je regrette que je ne pose pas tout. Je ne pose pas poser toutes les questions, d'autant que. Et le aguette arrivé, l'auditeur attire attention que son question était posée. Il était besoin de connaître est-ce que. Il dit c'est besoin de connaître est-ce que grève non ou AB s'était enlevé. Donc, comme il a conduit, il n'est pas de grève l'a levé, ce que tu as dit. Mbabo a confirmé. Même songe que nous avons annoncé qu'il faut qu'il levé, le ministère des Finances a dit que depuis le 27, il était supposé lever. OK. Et nous prenons fini. Bon, on dit que Jim Duke dans Delma 27, c'est le même problème. Non, studio de beauté, musique, bruit d'Elko, empêcher mon dormir. Bon, situation, citoyen, il y a un pile problème pour fonctionner là. Un pile problème. Nous conseillons de ça, on a fait un pile d'efforts. Et qui l'autre question, je demande pour me poser encore. Et OK, auditoire dit police d'assurance s'y expire depuis le 1er mai, donc il va prendre ça pour le faire. Donc ce serait pas mauvais si que toute activité t'a reprendre au niveau de l'OAVCT. Et nous pral fini. Est-ce qu'on est conscient que le fait que pas un corps pompier dans pays en son problème grave de sécurité publique qui pas doit durer encore sous de l'état. Son problème vraiment de sécurité publique. Mais nous faisons un pile de débat sur ça. OK? Il s'agit de comment pour nous mieux équipés ou impliqués dans la gestion ça. Et nos présidents ont fait plusieurs réunions sur ça. Pas oublier que nous avons un problème qui est compliqué. Nous avons un pays qui est plusieurs pentes. On a des véhicules propres que nous avons achetés qui ne peuvent pas faire pour démonter de l'eau. Donc, nous sommes capables dans une difficile. Donc, c'est. Son paquet de problèmes. Et là encore, on se pose la question. Est-ce que pompier des biens chita à côté de la police? Et pas se poser à l'intérieur avec la mairie.
pour te dire tout son paquet de problèmes que tu as dit là avec yo quand la loi même pas bonne opportunité pour des solutions mais nous conscients de ça mais les bouches descendent il y a pas de loi dans rien là il y a pas de loi donc ça c'est problème d'organisation oui mais si absence corps de pompiers représente un problème grave de sécurité publique secrétaire d'état pour qui ça nous pas agir sur question ça là pas agir sur pas absence non il manque fonctionnel parce que mon spécialiste sous question que je recevais là vendredi dernier, il dit que corps pompier qui est en bas, il se passe à le transformer en parc cochon. Toute machine en panne, c'est cochon seulement hein, qui est en bas. Je ne peux pas dire absence, je ne peux pas dire pas fonctionnel. Mais nous faisons plusieurs réunions sur ça, les machines ça a coûté l'argent. C'est très coûteux, carrément ça. Donc, est-ce que son problème l'argent qui pose, je ne sais pas son problème l'argent dans ce secrétaire d'État. Excusez-moi si je dis ça, mais il y a des gens qui croient que. Si il y a volonté d'abord, il y a l'argent à abjeuner. On a avancé. Et on prend par priorité, on s'est adoré ça pour nous d'avant. Parce que si on est bien formé, si on est au conduit à comporter, après, moi, je dis que pas. On a avancé parce que nous avons pensé à un seul coup. Il faut penser à ce qui est plus important, alors on a avancé. Parce que ce n'est pas important, non? Parce que ça a un problème de cabot, même la structure là. Il n'est pas fonctionnel. Parce que pour me donner à l'aise, il faut chaque mairie qui a trois machines pour me payer. Toi, Petitville, toi, Cadabouquet, toi, Cafou, qu'on a mère là lui-même, les relais, les machines à pape, et puis vous voyez, les machines, non seulement la mairie, à y a qu'on OK? Ensuite, pour la main encore, j'ai construit un Wendel. Faut avoir une machine, faut foncer les carambiers qui voient TV. Pas pour l'âge du carambier, d'abord, combien de roues les gars étaient Oui, mais le problème, c'est le fait qu'on ne gagne du tout. Justement, donc ça c'est un problème, mais pas regarder pour nous seulement. Regarder la pénétration qui m'a fait. On fait un résumé rapidement de ça dont on dit là dans l'émission en matin, en secrétaire d'État. Question sirène, non? Question sirène, tout le monde qui fait, c'est chercher la pointe. Je ne joue pas là pour arriver. Depuis que je ne joue pas, arriver même à prendre. Donc, ça veut dire qu'au même tour, on va dans la rue, on ne peut pas faire ça. Oui. Même si ils sont seuls forts, ils font. Moi, j'aime faire plusieurs. Moi, je dis, c'est un. Debout la police claire, debout que mon machine qui a fait ces rangs de fois, tout saisir avant que tout se retire au saisir mettre en route. Même si le convoi est pile là-dedans. Regardez, depuis mon illégal, via pile identifié. Dès qu'il va identifier, il a pas arrêté mon non. La machine dans le même comme ça y a. Claire, depuis l'entrée comme ça y a arrêté ça cadre automatique. Et puis après les on a bonne solution. Ça nous fait sur ça. Donc mon jambe doit le diminuer. On a cherché sa propre zone, on a calé ce qu'il bandit. Il a fait ça le vrai. Mais il est hors la loi. Mais au fur et à mesure, il a prouvé ça. Ok. Nuisance sonore. Ça, c'est un problème grave. C'est un problème grave. C'est pour gagner plus plainte. Est-ce que justement, c'est parce que j'en me désolé tout à l'heure, c'est parce que, par exemple, l'activité de souris, tu dis c'est rarement pour pas gagner un policier d'ailleurs. Non. On met quoi même? Ouais, pour les policiers, c'est facile pour résoudre. Ni en spoliation, ni en mise en sonore. Parce que le débat que les policiers n'ont rien à dire. C'est pas vrai. Ce sont des moyens, de trop problèmes, trop plaintes. Mais on a pris des exemples pour nous avoir une solution. C'est pas vrai. Les policiers n'ont pas dit qu'ils en face de nous, ils n'ont pas appliqué la loi. Et parlementaire? Parlementaire, je ne vais pas rentrer sur huit. Mais qu'est-ce que sont tes? Il y a trois chantiers qui me ferment. Je dis, c'est pour trois parlementaires. Bon, quoi, ça avec eux, par exemple, dimanche. Je ne vais pas dire pour eux. Et si on te dit où? Bon, je t'ai dit, on ne va pas quoi. Je ne vais pas dire pour eux parce que les parlementaires ne vont pas me voler. Et marché qui est dans le niveau, qui est dans le quartier résidentiel? Problème toujours. On regarde les routes, frère. Ce n'est pas tellement compliqué. Regarde les routes, frère. Il y a un sens. Je vais te marcher là. D'ailleurs, je s'ouvre tout trois. Mouche, motocyclette, manger à vendre, mon abaye, machine à ramasser. Il n'a pas fait sens. Là encore, c'est la mairie d'abord. Sous-titrage, je ne peux pas réduire ça. C'est l'autorité qui paye. Par contre, si c'est mairie, si c'est secrétaire d'État, oui, si c'est le intérieur, d'accord. Si c'est la police. Pas bien que chaque soir, moyen, on a un obstacle. Wendel, d'abord, pour me camper dans la population, vous pensez que c'est facile? Bon, imaginez qu'elle va facile. Pour me camper en face de la volette, pas sur la facile. C'est une décision de citoyen qui me prend.
parce que pour faire, on va un obstacle solide dans la façon. Donc justement, il faut se dire qu'on côté ce qu'on devrait aller. C'est pas parce que je débarque là, je m'ai arrêté 25 machins sur votre frère, je dis que je chasse là pour lui, il y a plein de radios, oui, 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 il y a tout le monde pour se dire qu'on prend Christ, mais quand toi, il y a raison. Il faut apprendre à mettre raison côté lui. Il faut que 2-3-50 personnes qui, plus ou moins, font recul par rapport à l'activité pour devenir meilleur. Parce que vous dites que vous avez des gens qui sont autour de toi, mais comment tu vas faire vivre? Donc c'est ça, les compliqués. Chaque soir, il y a un obstacle. Donc il faut que tu aies entendu ce côté de aller pour que l'autorité, la police, la justice, en façon pour opérer. Parce que si vous voulez aller, vous ne pouvez pas opérer. Un dernier point sur la question de Brissif là. Est-ce que responsable Brissif là, ou te bal yon ordre de mission pour Jacques Mel, mon pas de balai pour Tiot ou mon pas de balai du tout? Mais ordre de mission. Ce ordre de mission qui est signé le 19 avril pour un terrain situé à Jacques Mel. 19 avril, situé à Jacques Mel. Monsieur, tu es du sud-est? Jacques Mel et Tiot. C'est des bagages différents. Mais pas même chose, non? C'est non tout, chose. Merci, secrétaire d'État. C'est ton plaisir. Mais votre émission là. Et nous sommes contents de recevoir matin. Mais espérons nous porter réponse à un certain nombre de questions. Mais j'aime ce deal déjà. Oui, je suis obligé de déposer le téléphone là parce que là, il y a fait un fou. Oui, oui. Et en quitter reste question, parce que je remercie toujours là. Toujours là. On va être disponible bientôt pour nous pour l'autre interview. Mais là, ça me pensait que je vais plus de données pour me faire un bilan. Et plus exhaustif de ça qu'on fait, yo, de l'annonce qu'on fait, yo, secrétaire d'État. Et vraiment, je vous remercie, côté métro disponible pour auditeurs et téléspectateurs et internautes, yo, parce que j'ai une pile réaction là, qui sorti de l'étranger, des monde qui suivent Métropole sur le net. Merci encore une fois, je vous souhaite une très bonne semaine avec Métropole. Je vous remercie, je remercie tous les auditeurs et auditeurs qui ont suivi l'émission. Et nous l'avons servi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée. Je vous souhaite une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.